Amis Wooler, bonjour, c'est François des Wooler Sartois, je suis avec Julien à la caméra. Aujourd'hui, on va voir un tuto très important. J'ai une gyroroue, j'ai les grippes qui sont lisses. Donc, on va voir comment remplacer les grippes de la gyroroue. Alors, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un grip. Là, vous pouvez trouver, ça c'est un grip, c'était une chute qu'on avait. Donc, alors dans les magasins de sport, je pense qu'on va trouver ça dans les magasins de skate, on va trouver ça dans les magasins spécialisés trottinettes comme Dualtron Store ou Mobilitix. Et puis, c'est autocollant. Donc, tout simplement, ici, il va falloir décoller. Alors, ça se fait facilement. Hein. Décoller uniquement ça, ça va nous donner un gabarit qu'on va pouvoir, alors évidemment on le recopie à l'envers pour avoir le grip. Vous prenez un crayon et puis tout simple, allez grossièrement, vous tracez le tour. Voilà. Alors je vois pas mes doigts. Hop. On va faire le petit logo. Voilà, où est-ce que j'avais un petit détail ici? Voilà, donc, vous voyez, il est encore un petit peu collant l'ancien. Ah, c'est beau. Donc, voilà, on va pouvoir comme ça le découper et le reposer ici, direct. Du bon côté. Du bon côté, voilà. Alors, des ciseaux, j'ai essayé avec un cutter, mais c'est quand même mieux avec des ciseaux. On va tout simplement découper le long. C'est parfait. Le logo ou pas? Ouais. Alors, pour le logo. Ça, je comprends, ça, c'est bon. Pour le logo, on va avoir peut-être besoin à ce moment-là du cutter. Encore un petit peu. Je vais réduire. Ah oui. Je vais peut-être finir au cul. Je vais faire plus de dégâts. Je vais laisser. Allez, ensuite. Mettre une petite musique de fond aussi. Ah, est-ce que tu veux nettoyer un peu de la pédale? Un ouais. Petit chiffon, des choses comme ça. Non, on va faire là, elle est propre. Hein. On va le coller direct. C'est les conseils que je peux donner. Alors, un petit conseil, oui, voilà. Si vraiment la pédale est sale en dessous, alors en essayant d'ajuster au maximum, évidemment. Voilà. On va dessiner le tour du logo. Voilà, bon, de toute façon, hein, c'est un grip qui va être remplacé aussi dans peu de temps. Parce que ça s'use quand même très vite. Voilà. Donc, changement d'une pédale. Pareil pour l'autre côté, évidemment. C'est tout simple. Il vous suffit simplement de trouver le grip, hein, on vous a dit dans tous les magasins de sport, skate, etc. Voilà, bon, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo. Et puis dans les commentaires, tu peux nous demander d'autres choses, d'autres tutos. Puis on verra si on peut les réaliser. C'était les Wooler Sartois, allez, ciao! Allez, je vais mettre ton pied, vas-y. Fais-tu le mouvement un peu comme pour apprendre à rouler, ouais.
Ça va ou... Ah, c'est bien, ça accroche. Ouais. Hein. Et voilà.